Eh bien, bonjour à tous, c'est Playing Tester. Et aujourd'hui, on se retrouve pour, comme promis, la vidéo test de Battlefield 3, le solo. Donc, c'est un jeu édité par Electronic Arts, développé par DICE. C'est du FPS. C'est sorti chez nous le 27 octobre 2011. Et c'est déconseillé aux moins de 16 ans. Eh oui. Donc, alors, c'est parti. Aujourd'hui au programme, donc petite vidéo test d'une mission qui m'a plu, évidemment, sinon ça sert à rien. Donc pas mal de choses à dire sur cette campagne solo de Battlefield 3, donc des bons côtés et comme des mauvais, donc je l'ai fini en normal. Pas voulu me casser la tête à le faire en difficile. Donc bon, bien sûr, pour la mission, je vais vous la faire comment ça s'appelle, en facile, parce que c'est quand même un jeu qui reste difficile, oui, qui est difficile. Donc on a au total 12 missions, et bon, c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer de vous en choper une qui est, on va dire, attendez, qui quoi, qu'est mission camarade. Ah non, voilà une qui est assez sympa. Non, pas celle-là, c'est voilà, Kafarov. C'est une mission que j'ai bien aimée. Donc, on va se faire Kafarov en facile, ok? Allez, c'est parti. Donc, alors, déjà, premier point que je souligne dans ce jeu, c'est un jeu qui est très scripté. Déjà, c'est très scripté, c'est du FPS, c'est linéaire. Enfin, c'est linéaire. On peut quand même faire des détournements, passer où on veut, mais bon, voilà. On a une campagne solo qui est courte, que j'ai fini en pas très longtemps. Je peux pas vous dire combien de temps, je vais mettre 7 heures à la faire, 6 heures à peu près, truc comme ça. Donc voilà, donc vous voyez que les chargements, il y en a, vous allez sûrement le remarquer si je meurs, il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup de chargements. Déjà, ça c'est un point négatif que je vois. Je me tais, il y a une petite cinématique, on se retrouve après. Some others. Did Captain Cole get your guys killed? What? No. Isn't that how you felt about it? Deep down? You know, in Bosnia, I lost four of my closest friends. Rocket attack. The guy that was on OP was sleeping. I was fucked up for 6 months. Thought about killing him. We all talked about it. I still think about how he failed us. I'd feel sorry for you, but I feel more sorry for your buddies, because they never knew who you really were. They would have understood. Would you? Would you understand turning on your buddy? For the enemy? The Russians weren't our enemies. They killed your fucking friends! Hold on, hold on. Now, at the same time you were in the field in Iran, we intercepted burst transmissions between Dima and his handlers in Kiev. He was in Iran as well. Why was Dima in Iran with the Russians? Donc voilà, cinématique terminée. Donc peut-être que vous en apprendrez un petit peu plus sur ça. Donc, comme vous allez voir, le chargement, il y en a beaucoup. Là, c'était juste un chargement juste pour la vidéo. Là, on va en avoir. Ah non, pas encore. Donc là, ça c'est sympa. On va avoir donc droit à un magnifique saut en en comment s'appelle, en parachute, comme vous devez le voir ici. Voilà, voilà. Donc réglage sur 500 mètres, blablabla, blablabla. Donc bien évidemment scripté. C'est bien sûr ce que j'ai dit. C'est digne d'un film hollywoodien. C'est des FPS, grande action. Voilà quoi. On a une très jolie bande son. Voilà, j'enchaîne un petit peu en disant tout. On a vraiment de très jolies bandes son. Et on a un magnifique Frostbite 2. Même si on est en very low sur PS3, hélas. Je ferai peut-être une différence PS3 Ultra PC, voilà. Et voilà. Donc sinon pour le scénario, franchement, je peux vous dire un truc sur le scénario, il est bien ficelé. C'est un scénario qui est bien. C'est comme si vous allez regarder un film. Et dans ce film, c'est un film que vous allez voir et vous allez vous dire. Ouais, franchement, j'ai bien aimé, mais bon, il manque un petit truc, quoi. Allez, hop, on va sauter, c'est parti. Il manque un petit truc, il manque un petit truc qui fait que le jeu, bon, le jeu est bien, mais pff, voilà, quoi, il manque un truc. Il manque un truc, donc la soie en parachute, évidemment, t'es scripté. On voit ses pieds, donc similaire à Crysis 2 ou Crysis 2, voilà.
Attendez, j'ai mis une petite note sur mes trucs. D'une la fille au Ah oui. On a une mission avec les F-18 qui est vraiment énorme. F-18 c'est quoi? C'est un avion de chasse qui est très très sympa. Donc on voit ses pieds. Et gros point négatif que j'ai trouvé sur ce jeu, les checkpoints sont mal foutus. Les checkpoints sont vraiment mal foutus et c'est pas une joie. Parce que quand vous arrivez à un moment et que vous vous dites putain ça y est je vais pouvoir avoir mon hop parachute je crois là ouais voilà on dit ça y est putain je vais pouvoir avoir mon truc et ben non il faut repartir depuis le début enfin ça dépend hein. Donc là on joue bon là j'ai un PP2000 avec aucune autre arme donc il est tombé 100 mètres par là vous avez vu j'ai mis le jeu en anglais pour voilà donc 100 mètres par là là je crois qu'on va tomber sur des ennemis ou je sais pas quoi. Pas tout ennemi, faut qu'on s'occupe avant qu'il sonne l'alarme. Donc je suis désolé, je peux pas faire de face commentary comme je l'ai dit car problème, je mettrai peut-être plus tard. Dès que j'aurai mon nouveau PC, je pourrai vous faire plus de vidéos en face. Si on évitait de leur tirer dessus, est-ce que je peux aller à mon signal 1, 2, 3. Attention, vous êtes prêts, c'est parti. Ouh. Poum 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 poum, on vous tire dessus. C'est la joie et la bonne humeur. On aime bien tirer sur les ennemis avec des gilets pare-balles. Donc là, normalement, je vais ouvrir le. Voilà, et là, je prends le DAO 12 avec le AEK. Donc, vous allez voir qu'on meurt très vite, la vie est très. Bon. Là, bien sûr, je suis en. je suis en facile, donc je vais pas mourir. Bon, si je meurs, je suis une grosse merde. Hein. En solo, moi j'ai jamais été un grand joueur solo dans les jeux. Mais ça relèvera un défi sur BF3 car sur Call of Duty, ce qu'on remarque, c'est que le mode solo est scripté. Bon, c'est pareil, on va dire c'est un peu du Call of Duty là. Mais... Attendez, il n'y a plus de munitions. Oh putain, j'ai eu la chance. Ce qu'on remarquera, c'est que sur Call of Duty, et bien on va passer les étapes, on va buter les ennemis et voilà, quoi, sans jamais faire grande chose. Donc là, je vais rentrer, hop, voilà, toujours très scripté, on a la voiture, et tout le train, là je vérifie, ouais c'est bon. Donc là, bien sûr, mise en scène hollywoodienne, vous allez voir un petit peu, donc on voit ses jambes et tout, ce qui est bien foutu je trouve. Là on a un joli petit bug, vous voyez le dos de mon ami qui a traversé le... le siège. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup d'anti-aliasing. Ça apparaît au fur et à mesure. Des fois, c'est des petits bugs comme ça. C'est gênant, mais bon, bref. Donc là, le but de ma mission, que je sais pas si vous avez très bien compris, je dois rentrer dans un trafiquant d'armes qui s'appelle Kamarov. Et en fait, je dois le trouver, tout ça. Enfin, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je me rappelle même plus ce que je dois faire. Je dois rentrer, en tout cas, je dois rentrer et je dois le trouver. Je dois l'intercepter. Parce qu'apparemment, il a des têtes nucléaires qu'on doit récupérer. Et blablabla, et blablabla. J'ai pris une des dernières missions pour pas que vous voyez tout ce qu'il y a avant, bien sûr. Hein, parce que là, on arrive, vous savez pas, vous connaissez pas le contexte ni rien. Donc là, au moins, vous voyez. J'espère ne pas vous spoiler. Ça vous spoil quand même sur la mission. Vous allez voir toute la mission en entière. Si j'arrive à la finir en entière sans me faire tuer. Pour ça que j'ai mis en facile aussi. J'espère que vous apprécierez les tout petits trucs tout nouveaux que j'ai mis il y a pas très longtemps, c'est-à-dire que j'ai fait, comment on appelle ça, au début normalement quand j'ai dit donc la merde au niveau des fenêtres, ok, heureusement qu'on a la vie teintée, et en fait j'ai mis, enfin j'espère pouvoir mettre au montage, vous avez vu le petit truc Electronic Arts, le petit signe DICE et Battlefield 3, la petite jaquette à côté, pour pouvoir vous montrer, faire une sorte de bannière pour vous montrer quel jeu je teste avec une petite photo que ça fasse joli. Voilà quoi. Donc toujours plus professionnel. Donc là on voit que c'est des empreintes. Un bioscanner. Vous avez vu ça? Je connais tout par cœur. Même si je viens de le lire, on s'en fout. Je tiens à vous dire aussi que là je vais essayer, là je vais bientôt commencer mon nouveau PC. Hop, R1. Allez. Boum! T'es mort. Super. Oui, allez, ouvre la porte. Voilà, nickel. Donc, la DAO 12, on va prendre le... Ah oui, mais non, mais attendez, j'ai deux fusils à pompe, là. Voilà. Alors, il y a eu un petit bug, là. Il y a eu des coupures, je suis désolé. C'est mon HDPVR qui ont des coupures, donc... effectivement, coupure. Donc, je vais régler ça au montage. Désolé pour les coupures. Attention, vous êtes prêts? Regardez-le, lui.
Pouf! T'as pris cher mes fesses, t'as pris cher. Attendez, il a quoi comme arme par terre? Parce que j'en ai marre d'avoir le Dao 12 si vous voulez, normalement je n'ai pas ce Dao 12. Ah oh, super, il a un Dao 12. Ah non, il a une USAS. Ça c'est vraiment une arme cheatée, on voit quand même. Regardez, c'est beau quoi, ça reste beau même sur PS3. Alors hop, j'ai pas envie de me faire buter. Schlack schlack. Attendez, il y en a pas un qui a un scarache. Vous allez crever. Allez, on peut pas les avoir à l'intérieur, ça aussi je trouvais ça très mal fait. Tiens, bon, non. On peut, mais là. Oh putain, il est passé à travers la voiture lui ou j'ai rêvé. Là la mission va plus vite que prévu, parce que d'habitude je suis resté bloqué 350 ans ici. Oh non, non meurs pas. Voilà, c'est bon. Alors tir de suppression sur le lance-roquette. Okay, tiens. Voilà, là on s'est caché, donc nickel. J'ai pris une arme bien cheatée quand même, hein, faut l'avouer. Oh, me tire pas dessus toi, tu veux que je te tire dessus moi aussi? Hein? Stop! Vous avez vu les dégâts, donc vrai Frostbite 2 qui a bien sûr la gestion des dégâts. Mais ce qui est toujours dommage en multijoueur que je n'ai pas dit, c'est que les... J'ai pas vu de bâtiment s'écrouler. Et je trouve ça très dommage qu'il n'y ait pas de bâtiment qui s'écroule et donc... Eh oui, t'as encore une fois, pardon. mais non, j'ai pas vu de bâtiment s'écrouler et c'est ma foi dommage. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Donc oui, certaines textures sont pâteuses, hein, c'est pas très joli. Voilà, l'herbe qui est... c'est une image. Une image qui tourne, voilà, qui vous suit. Donc bon, on est sur PS3 aussi, hein, faut pas trop en demander non plus, hein. On n'est pas sur la console next gen PS4 avec une carte graphique GTX 590. Super, je vais mourir. Mais bon. Donc en tout cas, je vais commencer par vous dire ma future config PC officielle. Donc que vous aurez, que je vous répéterai, vu que j'ai fait un choix qui est que. Je vais vous la dire avant de me faire buter, si j'y arrive. Non, avant de rentrer dans la maison, je vais les buter. Et après, je vous la dis, ok? Hop, on va te suivre. Voilà, monte là. Il y a un mort. Donc, crève. Un AK-74M, magnifique. Voilà, t'as raison, t'es mort. Vous, aussi, ceux qui connaissent déjà Battlefield 3, faudra qu'ils me disent quelle arme je vais trouver dans quelques minutes. Alors, je vais avoir en config PC, pour ceux qui s'y connaissent, bien évidemment. En processeur, une Intel Core i5 en 2500K. Ouais, attendez, 30 secondes pour pas lancer le script, on va faire une petite baignade. Ouais, on se baigne, tout est marrant, tout est rigolo, on y voit vert, c'est un bug. Ça, voilà, c'est un bug, on y voit tout vert. On est sous l'eau, je sais pas où on est. Ouais, c'est un bug. Toucher, t'es bouché, go, ok. Et donc, alors, processeur Intel i-Core. Ok, d'accord, c'est quoi ce bug? On a eu un bug, normalement j'étais censé lui tchourer son sniper qui est un magnifique barrette thermique et semi-automatique qu'on n'a pas dans le multijoueur, alors on va me dire lequel c'est. Et pour tout vous dire, donc parce que je bug là, j'arrive pas à jouer en même temps pour vous raconter, mais tiens, bouffe-toi une grande balle de calibre 50 dans tes fesses toi. Et vous aussi vous avez envie de vous en mettre, tiens, bouffe-toi ça. Donc, processeur Intel Core i5 2500K overclockable à 3,4 à 4,3 GHz. J'ai en carte mère, j'aurai donc une. Je crois que c'est une Asus ou une Asus P8 P67 Pro pour les Sly et pour les Crossfire. Pour ceux qui connaissent, voilà, bien évidemment. J'aurai aussi en. Bougez pas. Voilà, donc en mémoire RAM, 8Go de mémoire RAM en Cas9. En Cas9 chez Corsair, je crois. Non, ouais, c'est Corsair Vengeance, c'est une Vengeance Blue, je crois. 15 000, donc Cas9 en 8 Go. Voilà. Après, bien entendu, on va avoir droit à un joli petit. Hop là, voilà. Un joli petit. Attendez, voilà, j'ai un ventilateur Big. J'aurai un ventilateur Big Quiet Advanced Pro. Advanced, pas Pro, hein. Ça coûte un peu plus cher. J'aurai aussi au passage, on passe à la carte graphique, un slide, donc deux cartes graphiques, vu que ça va me venir moins cher et un petit peu même à des meilleures performances qu'une GTX 580. Donc j'aurai un slide de GTX 560, donc GTX 560 Ti, Twin Frost 2. Donc un slide, d'ailleurs demain je vais aller acheter ma,
ma première des deux cartes graphiques qui vaut 200 euros d'ailleurs. Très bonne carte graphique d'après mes amis. Je pourrais faire tourner BF3 en ultra sur PC, donc ça me changera du ultra low. Voilà. Donc disque dur de 1 Tera. À part le disque dur de 1 Tera, j'aurai quoi d'autre? J'aurai, je pense, un... j'ai réfléchi. Donc le disque dur de 1 Tera, ok. J'aurai une alimentation de 800 watts normalement. Une 800 watts en Corsair Gaming certifié 80 plus bronze, donc ça va, ça va. J'aurai après en boîtier, si j'ai rien oublié, donc bon, j'ai un graveur, vous inquiétez pas, j'ai un graveur. En boîtier, j'aurai une vieille bouse plutôt. J'aurai en boîtier ce qu'on appelle un NZXT Guardian 921. Oui, messieurs. Vous pouvez aller voir ce que c'est très joli comme boîtier. Voilà, donc avec une sorte de gadget qui peut vous montrer combien il vous reste de... Enfin, la température qui fait à l'intérieur, de la carte graphique, du processeur et tout. Un écran Acer 24 pouces Full HD, HDMI et tout le blablabla. J'ai deux M60 qui me tirent dessus, super. Et je suis mort. Oh, je suis mort. Donc vous allez voir où c'est que je vais respawner, bien sûr. Ici ça va, les spawns sont bons. Donc là je suis mort en facile à force de discuter. Donc comme je vous ai dit, un écran Acer Full HD 24 pouces, donc 66 cm. J'aurai après en souris une Rokat Kova, normalement. Une Kova. Vous pouvez aller voir ce que c'est. Rokat avec 2 C et un T. Et j'aurai en ce qu'on appelle aussi Rokat un joli petit... Tiens, vous allez crever là, attendez, je réapparais, je suis déjà mort, ils savent où je suis, c'est pas marrant. Et donc, j'aurai en, voilà, un Itsuku. Itsuku, c'est, voilà, Rokat Itsuku, ce sera le clavier, voilà. Donc, je vous ai tout dit sur ma config. Bien sûr, je vous la ferai en vidéo pour vous faire découvrir même toute ma config. Et je tiens à préciser que si ça intéresse quelqu'un, je vends un HDPVR, enfin une pré-vente. C'est-à-dire que je réserve la vente à quelqu'un, vous allez crever. Non, foiré. Non, mais vous allez crever, je vous ai dit que vous allez crever. Ah, ils sont morts. C'est parfait, ils sont morts. Ouh, je suis allé un peu vite là. Il y a déjà du monde qui arrive sur moi et qui veulent me buter. C'est pas très mal hein, tout ça, Alexis. Tiens, mais bouffe-toi de ça. Alors là, on a deux magnifiques M60, faites voir. Un avec un viseur. Et la deuxième avec un viseur holographique. Eh bien, on va faire avec le viseur holographique. Même si j'aime pas avoir les M60 avec des visées rollo, c'est pas mon trip. Ils sont déjà les cons, putain. Abusé. Donc allez, M60, fais-moi un petit carnage. Tiens, mais tiens, bouffe-toi ça, bitch. Toi aussi, tiens. Vous êtes morts? Eh ouais, vous êtes tous morts. Eh ouais. Eh ouais. Playing tester. Oh non, manette infaible. Bon, ça finira le test. Wow. Je suis mort. Quoi? Mais je croyais qu'il allait l'ouvrir là. Merde alors Ah oui, aussi les bots sont un peu cons. Moi j'ai oublié de le dire, mais les bots sont un peu cons quand même hein. Donc là vous allez voir où c'est que je vais respawner. Attention mesdames, messieurs. Pour faire plaisir à certaines personnes, je mettrai une note au solo de ce jeu. Je mettrai des notes dorénavant. Comme ça, ça fera plaisir aux gens. J'essaierai aussi de bien évidemment vous faire un petit... Non. Ah voilà, vous avez vu où c'est que je reprends. Et voilà, je meurs. Voilà, vive les checkpoints et les respawns, vous voyez. Je respawn devant deux ennemis, même en facile, on crève quoi. Hein, c'est abusé ça. Bon. Et donc j'espère vous mettre... Je mettrai une petite note à la fin de ce test. Je pense que je la dirai haute voix. Enfin, je sais pas, on verra. Je sais pas si je mettrai une note ou pas. Et puis voilà. J'ai oublié de dire sur quelle console ça existait. Hein. Bon, ça vous devez le savoir si vous avez vu ma vidéo test. Sur le multijoueur, un nom disponible sur PC, Xbox 360 et PS3. C'est logique. Enfin, c'est logique, vous le saviez peut-être pas. Enfin, voilà, maintenant vous le savez, vous êtes content. Ah oui, vous êtes content, ça vous êtes content. Hein. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas quoi dire quoi. À part que je me fais démonter comme un gros. Oh là là! Non! Tiens, bouffe-toi mes balles, toi. Bouffe tes balles. À l'assaut! Ils sont morts. Ils sont morts? Ils sont morts? Dites-moi qu'ils sont morts. Est-ce que t'es mort? Oh, un viseur laser. Eh bien, allons-y. On prend sa M60. On a deux mitrailleuses lourdes. On va tout faire péter. Ah. Ah.
Crevé, bande d'enflure. Maintenant, je te prépare à t'accueillir, toi, avec ton fusil à pompe. Crève. Mais putain, mais ils sont sérieux, là? Boum. Allez, rentre. D'accord, il est pas mort. Tiens, non, 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 je veux pas crever. Je ne veux pas crever. Et je ne suis pas mort. C'est vraiment magnifique. Bon, sinon, voilà, le multi, c'est ce... enfin, le solo, c'est ce que j'ai en train de vous montrer, quoi. Hein, pendant toute la campagne, c'est ça. Hein. Bon, il y a de l'infiltration. Il y a de l'infiltration. Et je reconnais que l'infiltration est jouissive, évidemment. Et voilà. Alors, Dima va te mettre en place. Donc là, je vais en haut, normalement. Voilà. Je cours avec ma... Voilà, vous voyez que les déplacements aussi du personnage, je les trouve vraiment bien faits. C'est assez sympa, je trouve. Bam, bam. Je kiffe les mitrailleuses lourdes. Même en mode multi, franchement, je déconne pas, j'adore les mitrailleuses lourdes. Ça vous permet de faire des enchaînements. Mais tellement puissant. Je vous jure, en multi, si vous pouvez jouer avec ça, faites-le. Parce que moi, je joue des fois en multi avec des M249 et tout. Et c'est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment jouissif. Parce que quand vous arrivez devant un groupe de 4 personnes et que vous vous dites « Merde, pourquoi j'ai pris le M16? J'ai 30 balles. » Et quand vous vous dites « Putain, ça y est, là, j'ai la M249 avec 200 balles. » Vous voyez les 4 mecs, mais vous les faites. Vous bien que sur Counter-Strike Source, un jeu que je testerai plus tard, même s'il est vieux. Et bien, dites-vous bien que je me suis mis bon un petit spawn de camp. On était sur un deathmatch normal où tout le monde réapparaissait. Enfin, il y avait pas mal de monde. Je me suis spoté, j'ai pris une M249 et je peux vous dire un truc, c'est que ils ont pris là les bananes dans la gueule. J'ai fait, je crois, 5 ou 6. J'en ai eu 5 ou 6 d'un coup. C'était mignon, hein. Franchement, je déconne pas, c'était mignon. Il a quoi? Il a bipé? Non, pas bipé celui-là. C'était mignon. Donc là, on va changer d'arme. On va rentrer dans une pièce toute rouge qui est avec plein d'armes et plein de munitions. Et moi, j'adore ça. Donc on va prendre le F2000, qui est une arme que j'adore. Avec les scaraches. Hop là, l'escarache qui est magnifique. On va prendre des munitions. Voilà. Et au niveau F2000. Où ils sont? Alors là, vous allez voir ma technique qui est simple. Je vais progresser d'une manière très rapide. Et je vais rapidement arriver à bout de mes ennemis en quelques minutes. Même pas, même quelques secondes, vous allez voir. Donc lui, je l'anéantis. Pareil, j'avance de couverture en couverture. Je me couvre ici. Je vais aller anéantir celui-là. Après, je vais tuer le deuxième qui est caché sur le poteau. Je bute celui qui est là-bas. Et j'avance de poteau en poteau, comme ça, d'une manière à pouvoir toujours rester à l'abri et à les enchaîner. Voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai progressé, je les ai eus. Enfin, non, lui, je l'ai eu maintenant, voilà. Mais j'ai progressé et je les ai eus d'une manière aussi simple que dire bonjour, quoi. J'ai avancé dès que, voilà. MP7, on va voir combien il y a de balles sur MP7 parce que c'est marrant, j'aime bien les MP7. Vous allez voir un petit bug et oh, ah non, ah, on n'a pas le petit bug. Et plus on a un petit bug, vous savez, comme quoi le chargeur est invisible. Et le chargeur invisible, c'est marrant. Trois types, mon qui, ils peuvent pas être que trois. Bon, alors là, normalement, je crois que je vais devoir rentrer. Voilà, je rentre. Et là, c'est parti. Donc voilà. Attendez, parce que là ma mère est rentrée dans la maison, dans la chambre et je peux pas parler, hein. Bon, attendez, je finis de le tuer lui et je vais reprendre ma musique de Tetris parce que c'est marrant. Attendez, tu vas mourir toi. Je vous allume tous et vous allez me buter un moment parce que j'ai pété un plomb. Bon, tu as crevé, salopetit, parce que je trouve qu'il y a un trophée si on... Arrêtez de me viser avec ton laser, toi. Voilà. Toi, tu vas mourir. Ah! Laser de merde. Putain, vous êtes ils sont chiants. Hein. Et les bots, je peux vous dire, des fois, ils sont chauds. Hein. Ils sont un peu cons aussi, vos coéquipiers. Les coéquipiers sont très très cons. Je vous l'ai pas dit, mais ils sont vraiment très très cons. Hein. Les coéquipiers sont vraiment très très cons. Hein. Ça, je peux vous l'assurer, il y a pas plus con hein, des fois. Enfin, c'est comme dans Medal of Honor, quoi. Vous voyez l'IA de Medal of Honor, mais vous voyez l'IA de BF3, quoi. C'est un petit peu plus évolué, mais ils sont vraiment quand même très très cons. Hein, je... ils sont vraiment cons. Voilà, c'est juste pour vous le dire. Hop, les deux, je vais les buter. Voilà, non, facile, donc il n'y a rien de plus simple. Allez, dépêchez-vous, courez, bonne de lopette. Voilà, donc on arrive à la fin de ce test. C'est pas pour autant que je dis ça que c'est fini. Hein. On arrive bientôt à la fin. Car on est à la fin de la mission et on va essayer de choper Kamarov. Alors toi tu vas crever d'abord. Hop là, tu es mort. Ouf, il y a eu une explosion. Incroyable, une explosion. Comme si on ne s'y attendait pas qu'il y allait avoir une explosion.
toi tu vas mourir, toi aussi, t'es... Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore prendre cet accent. Ça me fait rire. Non, ça me fait penser à être un... comme le Don Corleone. Alors là, c'est parti, là, regardez bien. Le voilà, Kamarov. Allez, vas-y, cours. Cours, 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 on va le choper, on va le choper, on va le choper. Ouais. Ouais, on est Jésus. Ouais, nous sommes des Jésus, et voilà, Kamarov. Kafarov. Bon, voilà, des QTE. Donc les combats, c'est ça, c'est des QTE. C'est des QTE. Et les QTE, c'est ça, voilà. Si on se bat, on appuie sur les touches qui nous demandent. C'est du script, quoi. Pomme dans l'eau. Ouh. Ouh, mon dieu. Mon dieu, c'est passé quoi. Bon. Maintenant, c'est plus de mon ressort. Je vous laisse regarder, hein, parce que là, c'est pas trop de mon ressort. Donc oui, il y a une clé qui ouvre un coffre secret à Genève. On a compris, je n'ai rien à foutre la clé. Je ne l'ai pas, vous comprenez, c'est moi qui l'ai. Et vous allez voir, on va voir notre gueule dans bientôt. Parce que là, on est Dima, on n'est pas le même mec. Alors, on vous dit, c'est qui Solomon? Mais c'est qui Solomon? Je deviens con quand je fais un test aussi. Voilà le marché. Ma liberté compte des informations et je vous dirai tout. Bah alors dis-moi tout, dépêche-toi mon con. Ah, ça fait mal. Bon, je vais me remettre sur Mutt pour que vous écoutiez. Voilà, 1, 2, 3. Now if I'm in your shoes, I'd be thinking about my friends. I'd be wondering what I could have done differently. I might even be wishing it had happened to me and not them. So you get to Kafarov's villa. Ahead of the main forces of Russians, ahead of everybody. Not everybody. Dima was there, wasn't he? And you made a decision. You made a fucking momentous decision about your life and your allegiance. About how much you're willing to do for your country. You don't know anything about the decisions I had to make. Tell us what it was then. Convince me. We split up to search the villa. I was alone. Donc voilà, donc vous avez vu le truc, on était seul pour payer la villa, là j'arrive, je suis tout seul, alors je ne vous dis pas pourquoi je suis tout seul, vous le découvrirez tout seul dans le jeu solo si vous voulez le faire évidemment. C'est un jeu, si vous l'achetez, ne l'achetez pas pour le solo, franchement ne l'achetez pas pour le solo, voilà. Donc là je rentre dans la maison, qu'est-ce que je vois? Je vois Kafarov, alors je me dépêche, et là... Voilà Dima. New York and Paris. He's using public transit to move the weapons. He's going to detonate the New York device at Times Square. Vous voyez un petit peu de quoi il parle. Moi, je suis un petit peu fatigué. Il faut l'en empêcher. Donc là, c'est vraiment un choix, je crois. C'est... Nous pouvons éviter une guerre entre nos nations. Rien que nous deux, pas de politiciens, pas d'accord financier. Juste deux hommes qui se disent à l'héritier. Aide-moi. Fais-le pour la paix. Et là, je vais tirer sur quelqu'un, vous allez voir. Poum, poum. Voilà, donc... J'ai tiré sur quelqu'un. Sur quelqu'un. Bon, vous allez savoir qui c'est, bien évidemment, mais je ne dis pas qui c'est. Hein? Parce que sinon, c'est plus drôle. C'est plus drôle, drôle. Voilà, voilà. Bon. Je vais vous laisser sur la cinématique de fin, tout ça, blablabla, blablabla, blablabla. Parce que là, c'est la dernière mission et vous n'allez pas à la voir, la dernière mission. Donc, sur ce, j'espère que ce test vous aura plu. On va dire que le solo, je lui mets 13 sur 20. Il le mérite 13 sur 20. Il ne mérite pas plus. Encore, je suis généreux. Donc, voilà, note 13 sur 20. Pour le solo de Battlefield 3. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Moi, j'ai pris du bon temps à faire cette vidéo pour vous. Et sur ce, je vous dis à ciao, bye bye, et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le mode coop de Battlefield 3. Allez, salut tout le monde! Your commanding officer under the direction of a Russian agent, is that correct? So, unless you have something else significant to share with us, Sergeant, this investigation is over. You have been played. It's the Russians. Oh, it's Solomon. Haven't you listened to anything I've been saying? You want us to believe that there's a PLR threat?